Ça, y a pas de problème. Non. Y a pas de problème là. Tu déchires le bulletin. Si je fais ça, y a pas de problème. Non, y a pas de problème. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est le moment des bulletins, un moment pas toujours très marrant. Myram vient de recevoir son bulletin, on va le découvrir ensemble et on va prendre une décision à la fin de la vidéo, vous allez voir. C'est parti. Non, Myriam. Pourquoi c'est toujours moi qui va te chercher? Toujours moi, j'ai des problèmes. Eh, hey, demande à Yacine d'aller te chercher un peu. Là, ton bulletin, il arrive, c'est encore les problèmes. Papa, il va dire que tu prends pas soin de ta soeur. Moi, je m'en fous, je vais appeler Yacine. Hé hey, Yacine! Yacine! Mais j'ai rien fait, pourquoi c'est toujours sur moi? Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens. C'est toujours moi qui a les problèmes. Pourquoi tu vas jamais chercher Myriam, Yacine? Je suis malade, moi. Non, t'es pas malade, arrête. Si je suis malade. Vas-y, viens t'asseoir sur le fauteuil, là. Y a une petite nouvelle qui est arrivée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Va t'asseoir. Moi, j'en ai marre, ça retombe sur moi. Papa, il rentre du travail à quelle heure ce soir? À 20h. Je sais pas, ouais. Tiens, son bulletin. Tu te débrouilles avec elle. Comment ça, son bulletin? Tu te débrouilles avec elle, moi c'est pas moi. T'es aussi son grand frère, t'as quel âge? On a que 2 ans de différence. Tu te débrouilles avec elle? Bah lis, tu vas voir. Lis son bulletin. Moi je sais plus quoi faire avec elle, j'en ai marre. Tu rien fait? Ouais, t'as rien fait, bah justement, c'est ça qu'on te reproche. Anglais, oral 3,5, écrit 0,5. Ensemble catastrophique, élève agité, incapable de se concentrer. Et gênante pour la classe, aucun travail, base non acquise, de grosses difficultés. Mais c'est faux! Tu te fous de moi je là? Je travaille bien! Parle avec lui, moi je suis pas là, parle avec lui, c'est pas mon problème. Non, mais j'espère que tu te fous de moi là. Mais je travaille bien, je suis sur des bonnes français 0,8. Mais j'avais un petit orthographe 3, grammaire 0, lecture 0, expérience écrite, expression écrite 0. Ne fais plus rien! Elle fait comment rien! Ça ne fait plus rien! Elle mais fait je rien! Elle travaille bien! Elle est sur sa tablette, elle est sur ses trucs, elle fait rien! Histoire géo 2,9. Mais histoire géo, je suis bonne. Pas de travail et trop de dispersion, c'est inquiétant. C'est inquiétant? Mais. Myriam, t'as 2 grands frères, c'est la honte. On t'envoie à l'école pour que tu fasses n'importe quoi comme ça? Mais j'ai toujours des bonnes notes. Mais c'est ton bulletin, ça, c'est pas le bulletin de qui? Mathématiques 5,8, mais on a fait les devoirs ensemble la dernière fois! Mais les mathématiques! Je t'avais tout expliqué! 5,8. Ouais, quelques efforts en cours de trimestre, mais l'attitude. L'attitude récente est catastrophique. L'attitude! A few moments later. Tu joues à quoi, Myriam? Tu vas faire quoi ton avenir? Je vais être youtubeur comme vous. C'est une blague. Non, mais là, j'espère que tu rigoles. Là. On fait comment maintenant? Il n'y a même pas une note au-dessus de 10. Même pas une note. Et tu reviens tous les jours, je viens te chercher à l'école. Tu travailles bien, je travaille bien. Putain, fais au moins le minimum. La moyenne, au moins. Au moins 10. Tout ce qu'on demande. Et le comportement, c'est une blague! T'es une fille en plus! Mais je travaille bien! Tu dois être une personne exemplaire normalement! Faut la punir, hein. Tu prends sa tablette, tu prends ses jeux vidéo, tu prends tout. Dès qu'elle rentre de l'école, c'est fini. Oh, c'est fini, t'auras plus de droit à rien. Tu vas être, ton ta vie, ça va être dormir, école, manger. Dormir, école, manger, travailler. Si au prochain trimestre, tu ramènes un bulletin potable, on pourra rediscuter. Mais là, jusqu'au prochain trimestre, t'as plus rien. T'as plus rien, vraiment plus rien. Et les vidéos, c'est fini. Il n'y a plus de vidéos, ça y est, quelle vidéo? Il n'y a plus de vidéos. C'est fini, ça y est. Maintenant, c'est que école. T'auras plus aucun plaisir. Le travail plus le comportement, les deux en plus. C'est pas le travail et le comportement, là. Les profs, ils disent ça encourageant. Non, c'est une élève agitatrice, ils disent. Il y a marqué quoi, là? Il y a marqué quoi? 4, 5, 5, 0, 5, 5. Ça, travaillez bien? Vas-y, montez là-haut, j'ai une histoire, montez là-haut. C'est pas possible. Mais comment tu peux nous faire ça? Le soir, on t'aide à faire tes devoirs, on t'explique, on prend du temps avec toi. Le problème, c'est que je travaille bien. Oh, vous faites cette tête, j'ai un truc dans les mains. Tiens, Yacine. C'est quoi ça encore? En fait, le bulletin que t'as vu en bas, c'était pas vraiment son bulletin. Ça, c'est son vrai bulletin. C'est quoi l'autre alors? C'était une blague. Ça, c'est son vrai bulletin. Bon, en mathématiques, dans l'ensemble, c'est bien, mais t'as quand même un petit peu de progrès à faire. Ils disent dans grandeur et mesure. En français, c'est bien. Ta meilleure note, c'est art plastique. Non. Ah bien, c'est passé l'art plastique. Ok. Éducation physique et sportive. En sport. En sport. T'es forte en sport? Vous faites quoi en sport en ce moment? En sport, on fait des tours du gymnase et bah... Ils vous font courir. Dès la maternelle, ils vous font courir. C'est pas bien. Pas de foot, pas de volleyball, pas de... Non.
Oh bien. Bah c'est bien le sport aussi. Non, en vrai, pour l'instant, elle a un bon bulletin. On va voir ce qu'ils disent dans les appréciations générales. Semestre très satisfaisant. Oh, ils ont dit très satisfaisant, ça c'est incroyable. Je suis certain que Myriam progressera encore car elle est sérieuse et participe activement à tous les travaux. Ça c'est bien que tu participes, c'est très bien. Il faut que tu essaies de t'améliorer encore en mathématiques. Et comme on t'a dit avec Younes, si t'as besoin d'aide, tu nous appelles en tête, d'accord? Sinon c'est bien. Et l'autre bulletin du coup, il est où? Non, c'était un faux, c'était un faux. Non, parce que attends. C'était un faux l'autre. C'est qui avait le prank? C'est moi. Donc si je fais ça, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de problème là. Tu déchires le bulletin. Si je fais ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un prank. Oui. Et donc si je fais ça aussi, il n'y a pas de problème. Non, c'est son bulletin. Ok, donc là, je sais vraiment que c'est son bulletin. Myriam, va dans la salle de bain, va te laver les mains, je vais dire un truc à la caméra, s'il te plaît. Quoi, vous avez vu Yacine comme ça en train de s'énerver, c'est pas qu'il est méchant, c'est que l'école c'est très très important. J'espère que vous avez des bonnes notes. Du coup là, pour vraiment marquer le coup, Myriam, moi j'ai décidé, Yacine je fais pas pour toi, moi je vais lui offrir un cadeau vu qu'elle a bien travaillé. Je vais aller au magasin lui ramener une petite surprise. Tu valides ou pas? Ouais, ramène-lui une surprise. Hein. Tant que c'est pas toi qui paye, de toute façon tu t'en fous. J'ai pas dit ça, pourquoi tu dis ça? On va faire ça, on va lui ramener une surprise et on voit après. J'ai pris la voiture, je suis venu tout seul, regardez, je suis tout seul. Et là, on va aller faire une super surprise à Myriam. J'ai cassé ma tirelire, j'avoue, j'ai bien payé, mais elle mérite. En ce moment, Myriam, je veux dire la vérité. Quand on parle, elle écoute, elle travaille bien à l'école, elle dit pas de gros mots. Et ça veut dire qu'il faut la récompenser. Et vous aussi, si vous pouvez mettre bien vos petits frères ou vos petites sœurs, ou même vos grands frères, vos grandes sœurs, faites-leur des cadeaux. Ça veut dire là, je vais lui faire un giga cadeau. Vas-y, on va aller le chercher. Les gars, je viens de ramener le colis, je l'ai ouvert, regardez, il y a quoi? En fait, c'est une surprise que je me suis fait à moi-même, c'est pas le colis de Myriam, c'est le nouveau Harry Potter. Et elle, je vais prendre un truc beaucoup mieux que ça. Mais du coup, là, j'ai la haine, je lui dis, Myriam, je cherchais ton cadeau, mais en fait, c'est mon cadeau. Ça veut dire, je pense que ça sera pour demain matin s'il le reçoit. Vas-y, je vais aller l'avoir, je vais lui expliquer. Bon, du coup, Myriam, je suis rentré du magasin. C'était bien l'école? Ouais. Malheureusement, c'est mon jeu qu'ils ont envoyé. Désolé. Mais je veux quand même jouer avec ton jeu. Ça veut dire le cadeau, je pense qu'ils vont l'envoyer demain. Demain? Demain ou lundi, c'est pas grave. Mais tu vas me prendre ma play? Ça, c'est à moi, ça. Non. Bah, si, bon, je dois y aller. T'inquiète, plus tard. Oh, je suis trop refait. Tu fais quoi? Harry Potter. Et il offre la Myriam. Et tu es Avada Kedavra. Myriam, elle a eu un bon bulletin, tu lui offres rien. Non, mais son cadeau, il est pas venu aujourd'hui. Et bah, offre-lui ça, oui, par exemple. Non, c'est un jeu de grand, ça, c'est un jeu de sorcier, c'est pas une sorcière. C'est pas bien. Moi, je suis un sorcier. C'est pas bien. Oh, il y a un code. Ça sert à quoi ce code? Offre le jeu à Myriam. Oui, dès qu'il vient, on l'a, je vais lui chercher. Avada Kedavra. Ah, bien. Donc la famille, c'est parti, on lui offre son cadeau pour son bulletin qu'elle a ramené. Ça fait super plaisir, elle nous a ramené un beau bulletin et nous, dans notre famille, aïe. Dans notre famille, nous, toujours, on... aïe. Toujours dans notre famille, on... aïe. Toujours dans notre famille, aïe. Désolé, j'avais trop envie. Toujours dans notre famille, on récompense les personnes qui ramènent des bons bulletins. Donc Myriam, elle a tout simplement une méga tablette. Méga tablette, donc vas-y, tu peux l'ouvrir. C'est pas une vieille tablette. Hein. Par contre, si cette tablette est la cause de ta des mauvaises notes, genre, j'arrive pas à parler, cette tablette est la future cause de mauvaises notes qu'elle peut avoir, on la confisque tout de suite. Hein. En plus, cette fois-ci, c'est de la marque, je vais la montrer. Méga tablette Samsung avec un stylet. T'es contente? Trop. En plus, c'est le stylet que je voulais. Par contre, la tablette, elle est ultra fine. Ça paye de travailler à l'école. What? Regardez. Et j'aimerais bien dire un truc aussi. Si vous voulez avoir des cadeaux comme ça, il faut bien travailler à l'école. Oui. J'ai cru aller dire si vous voulez des grands frères comme ça, bah, je sais pas ce que t'allais allô dire. Allô? Oui, elle est là. Tiens, Myriam, je te la passe. Tiens, c'est pour toi. Regardez, elle a quoi? Elle a des écouteurs. Eh, c'est la première fois. Samsung, c'est pas des crevards comme iPhone. Hein. Ils donnent des écouteurs et tout, eux. En tout cas, moi, je suis ultra contente. D'avoir cette tablette plus ce stylet. N'hésitez pas à mettre un max de likes pour la récompenser de son bon bulletin, ça serait super cool. Nous on vous laisse là, ciao.